Salutations, salutations. City. Ça va être bien foncé dans 20 chaises. On sent le jeu file. On sent que le but, ça va pas être de s'énerver. Ça va être jouer tranquille. De mourir. Puis voilà. Suivre l'existence du jeu. J'étais sur les contrats de Reginald Jones, l'une des meilleurs fixeurs de la ville. Peut-être ma fixeur préférée. En vrai, j'aime bien Reginald Jones. Est-ce que je lui donnerais le titre de ma fixeur préférée? En vrai, je réfléchis et un peu, hein. Et un peu, un peu. Oui, hein. On aurait Jean, je pense. Ouais, mais il y a Rogue, mais. Même par rapport à Rogue, hein, je préfère Regina. Ouais, je vais appeler Regina. Fixeur préféré, parce que. Je vois pas quel autre fixeur pourrait avoir ce titre. Et encore 500 mètres, hein. C'est bon. C'est bon, c'est loin. Industrie. Ça me dit rien. 4C. Juste avant la quête. Ah oui, c'est vrai. J'étais monté de niveau en athlétisme. Et une douille monumentale de 99%. Ah la douille, quand même, que ça a été ça. C'est une. Hop là, 75 d'expérience en athlétisme. C'est beau, putain, c'est beau. Faire quoi par ce quartier? Question. Ça. Suis toujours pas allé voir Dex. Hein. Dis-moi tout, ma grande. Pourquoi on est là? Dire. Ok. Ah, c'est ça. Hey, salut V. J'ai un petit contrat rapide. Le Maelstrom a piqué une camionnette Malorian. Il la garde dans une de leurs planques. Va à l'adresse que je t'ai envoyée et récupère l'éclat dans la camionnette. Pour faire court, vole les voleurs. Mate la pièce jointe si tu veux plus d'infos. Il y a une histoire qui circule partout en ville à propos d'un camion Malorian qui a été volé sur l'avenue Sir Francis Drake. Le Maelstrom a revendiqué l'exploit. Il se trouve qu'un de mes informateurs a assisté à la scène et a été assez malin pour les suivre à l'aide d'un drone. Le plus dur est fait, on sait où ils sont planqués. Le plus dur est fait, on sait où ils ont planqué le fourgon. Je dirais bien qu'on a eu de la chance, mais non. C'est juste que je ne travaille qu'avec les meilleurs. D'accord, j'arrête de me jeter des fleurs. Tu vas te rendre à la désosserie, récupérer une banque de données dans le camion. Bien des informations sur les itinéraires de transport de Malorian. Les Maelstromers se rendent pas compte que ça vaut bien plus que la cargaison qu'ils ont piquée. Je suis d'accord. Ouais, voilà. Ok. Et je me...
voit plus le chapeau, mais on voit pas le visage, c'est trop cool. Évidemment. Ok. Soit un peu prévu, histoire que j'ai pas trop de surprises. Sortir quoi qu'il arrive. Si elle est alliée à moi, je préfère le désactiver parce que je sais jamais combien de temps ça dure cette alliance. Ok, ok. Je lève la barrière. La barrière est levée. Super, super décision de ma part hein, de lever la barrière. Théorie sont qu'en alerte. Je peux pas pirater ça. Ah mais elle est pas morte. Mince, je l'ai pas tuée. C'est là. Oh, il me voit là-haut. Intéressant. Je sais que t'es là. Montre-toi. Sûr que tu sais que je suis là. C'est qui me voit? Ah, c'est lui. Hein. Ça. C'est normal, c'est normal. Elle était pas morte, hein. Faut faire gaffe à bien achever les gens, quand même. Acher les gens. Tu peux acheter les gens, hein. Ah ouais, il va falloir faire attention, les gens sont puissants et tout ça. Ok. Va pas falloir y aller trop à la bourrin non plus, va falloir être un peu subtil. Je dis ça sur la mitraillette légère. Vive la subtilité. Vive la subtilité. Je pourrais passer devant tranquille. Bon, derrière. Bon, vraiment, ce que je veux, c'est avoir les gens beaucoup de points. Ça s'est bien passé. Mais y a... Et surtout, est-ce que je peux avoir la caméra? Je peux la désactiver. En vrai, la caméra de dehors, la désactiver, c'est pas une mauvaise idée. Ok. Ok. La question, c'est est-ce que j'attends 28 secondes ou est-ce que je vais niquer tout ça? Quoi? Ah, là, il y a la caméra ici! Oh! Ah, je suis pas assez résistant. Au niveau tout ça, les balles, ça commence à être compliqué, hein. Ça commence à être compliqué. Ah ouais, j'ai oublié, j'ai fait celle-là, mais il y a aussi une là-bas en fait. Ok. Ce bordel. Ok, ah c'est bon, c'est tourné. C'est lui qui... Et vraiment, il a une arme. Il a réussi à m'avoir cette fois. C'est lui qui... Okay.
T'es encore une fois. Non. Trop tôt. Si je sors, si je sors et que je la désactive d'ici, déjà il y a elle qui est foutue. Je vois ça. Je repasse comme ça, je sauvegarde là. Ah tiens. Le synaptique est de retour. Ok. Parce qu'avec le synaptique, je peux avoir lui en fait. Et même si lui il balance l'info, c'est pas grave. Il me voit. Alors que je te vois. Go. Quel c'est qui me surchauffe là? Qu'il arrive, même si je subis des dégâts, et ça c'est cool. Il est où? Il est où? Ramenez-vous! On va pas se laisser faire! Je les ai pas. Je sais que t'es là. Et maintenant, salope. Go. Je l'ai raté. Je recharge. Sur quel côté? Oh là. Pourquoi c'est toujours moi qui fais tout ici? Ok. Pirate là. Quoi? Non. Ça confirme ce que je dis. Lui, je peux l'avoir. Quand je serais allé faire la mission principale, j'aurais d'autres points et tout ça. Et avoir comme... Oh, c'est qui m'a eu là? Waouh, là je sais même pas qui m'a eu. Oh, j'ai tellement mal joué là que je sais même pas qui m'a eu.
Et en vrai, mon fusil à pompe, sur ça. Et purée, c'est ces deux-là, en fait. Depuis le début, c'est eux qui me gênent. Enfin, que je vois pas. Ils sont juste en face de moi et j'ai aucune difficulté à les... Incroyable. Merde. Je déteste quand ça commence trop tôt. Ok. Je les vois. C'est mieux. Non, parce que par contre, ces salauds. Ah, ils ont des trucs de malade. Oh merde! Allez! Allez! Allez. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Prépare-toi, on arrive. Ok. Et voilà. Sans surprise, hein, à l'intérieur il y avait des gens. Enfin, il y avait des gens que je. Vas-y, je prends. Je prends au fur et à mesure. T'es pas mort ? T'as plus de tête, ça va être compliqué. Je peux forcer. C'est ça, j'adore. L'objectif dans le camion qu'on a fauché. Il y a une sorte de support de données. Aucune idée de ce que ça peut être. Impossible de le connecter au système. Vous pouvez envoyer quelqu'un y jeter un œil. C'est pas le moment. Tous mes hommes sont occupés. Quelqu'un du Totan, ça peut être. Je vais demander. J'ai une réponse. Personne ne peut. Prenez-le avec vous. On s'en occupera plus tard. Ah, ils savent à peu près que ça peut être utile. C'est le Netrunner. Je l'ai tué, le Netrunner. Oh. Le café mort. J'étais moi-même pas concentré. Enfin, je pensais avoir gagné. Il a reculé. C'était bien joué de sa part. Je vais pas lui en vouloir. Hein. C'était bien joué de sa part. C'est moi qui ai fait de la merde. Et quand on fait de la merde, je peux pas avoir un petit ping en fait. Je me rends compte que. Toi. Merci, t'es mort. Au hasard, il touche. Hein. Ah, c'était bien, bien nul ce que j'ai fait. Tout. Après, je m'oblige au point. Alors, peut-être de faire un truc un peu. Ok, je vois que ça. Ça. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde que ça en réalité. Ça. Allez! C'est excellent! Montre-toi la vache!
ça m'arrive d'essayer de recharger. De recharger mes points. Très intelligent. Ok, putain. Mais le snipe, j'ai essayé de l'avoir. Ok. Parce que le snipe, ça peut être très dangereux, très vite. Putain, j'essaye de recharger mes points. C'est un problème. T'étais pas. Ok. Ok. Il est où? Oh mais merde! Oh non mais je l'ai désoigné. C'est tout là. Oh, je pensais l'avoir. Compliqué. Compliqué au point de gorille. C'est bon. Je devrais être sur la mission principale. Je devrais avoir des trucs pour le gorille, je devrais avoir déjà des améliorations si j'avais fait la mission principale. D'autres points et tout ça. J'ai récupéré d'autres points, tiens. Parce que avec tout ce que j'ai. Je me disais aussi, ouais. Ça c'est. Je les ai. Ça a détruit tous les autres? Ah non, je me disais aussi. Parce que contre les cyberpsychos que je dois pas tuer, eux, c'est utile parce qu'ils font pas plus de dégâts que ça, mais eux, les thermiques, vas-y. Hein. Même contre les combats de boxe normal, faudra que je pense à changer. Mais sinon, clairement, j'ai... Trop cool. Il y a des trucs qui... Ça, je suis sûr qu'il me désachève un peu là. Ça brûle. Ça mouille. Les deux cas, je te tue. Mais c'est lui là, c'est lui qui m'a tué plusieurs fois. En tout cas, les plus loin de feu là, bonne idée. Faut juste que j'évite de faire de la merde avec lui, avec certains. Faut vraiment qu'il y en a certains, faut que je vraiment. Faut pas que j'hésite à temporiser en fait, hein, dans un sens. Bien. Ce que je me dis dans un sens, faut pas que j'hésite à juste temporiser des fois. À fuir et à me dire voilà un peu je m'échappe putain. Ok merde putain des fois récupérer de la vie c'est important. Ah putain, j'ai trop hésité. Je voulais voir si je pouvais remonter et en fait j'ai trop hésité. Mais je sais pas avec quoi ça compte si je l'ai tué. Ouais, moi. Ah. Arrive très très vite et tu es absolument. Quoi? C'est qui m'a tué là? Tu m'as vu? Ok. Snipe qui est bien placé. Attends, quoi? Débarrassez-moi d'elle.
coup, t'as raison. Tiens, lui il vient. Ça c'est une bonne. Ça c'est une bonne nouvelle. Allez. C'est une lettre honnête. C'était... Ah ouais, c'était celui... Ok. Son chien qui est arrivé. Ça me suffit, ça me suffit. Alors, où tu te planques? Putain. Là, tu as un truc forcé? Yeah, on est ça. Ça c'est bon, on va pouvoir faire le tour un peu de l'entrepôt, récupérer tout ce qui m'est dû. Ça fait du bien. Putain. J'ai eu du bol. Enfin du bol. Une fois que t'as compris comment faut faire hein, et que tu t'arrêtes de t'entêter à faire de la merde, effectivement c'est plus simple. Généralement. Ok, j'allais voir en haut s'il n'y a pas des trucs à vérifier. Vérifier. Comédie musicale. Ouais, non, vas-y, je lis pas ça. Désolé. J'ai pas envie de lire ça. C'est pas bien, surtout que j'ai déjà la lire. Je pense que je l'ai déjà lu. Dans une autre de mes parties, il y a des parties où j'ai vraiment tout lu. Mais là, je me sentais pas de le faire. Ok, donc j'ai fait tout le haut. Il y avait le bas là que j'ai pas encore fait. Tout ce qui est ça là. Yeah! J'aurais pu trouver la carte, mais visiblement je sais pas où elle est. C'est pas grave. Moi ça m'arrange pas de trouver les cartes puisque... Comme ça, si je trouve pas les cartes, j'ai la possibilité de pouvoir gagner des points d'expérience dans la technique et tout ça. Et ça, c'est toujours cool. Il n'y a plus qu'à se barrer maintenant que j'ai tout. Il faudra juste que je me reboive et remonte. C'est bon. On va attendre qu'elle me dise où est-ce que je le dépose. C'est des sœurs. Ok, d'accord, pas de problème. J'ai gagné un point en quoi? Non, j'ai pas vu en quoi j'avais gagné un point.
des rues. Possible que j'ai gagné un autre truc en bas des rues. Ça commence à en faire. Voilà. Voilà. Merci pour l'éclat. Je suis sûr que ça servira. Contrat bouclé. Est-ce que... Ah, 29 de réputation. Ah ouais, je suis déjà à 29 de réputation, quoi. Ok. Oh, il manquait tellement peu pour être au niveau 14. C'est triste. Ah, j'ai gagné aucun point. Donc je disais, ouais, peut-être combat des rues que je venais de gagner. Le 8. Yes, 2% de... 2% en plus. Et là, en plus, je vais gagner 10%. Prochain niveau monté. Qui est bientôt, finalement. Qui est très, très bientôt. Visiblement. Ok. Juste vérifier tout ce qu'on... Bien, ça. J'aime bien les gilets pare-balles. Je trouve que ça rend très, très bien. Ok. Classique. Classico classique. En mitraillette légère, toujours rien. Oui, mais dans ce cas-là, je peux. Si, je voulais juste voir. Ouais, c'est bon. Je sais pas si ça te donne. Je crois que je croise des... Non, il me reste tellement peu pour avoir 8 de fabrication. Vas-y, je construis un truc. Qu'est-ce qu'il pourrait être utile? C'est quoi ça? J'ai pas encore ça. Ah, j'ai vu que... Oui, j'ai remarqué. Ouais, mais j'ai pas assez. Mais il me faudrait du... C'est quoi mon plus petit... Ah oui, je viens de d'avoir ça. C'est dommage de le perdre, mais bon, pourquoi pas. Hop, je vais faire lui. On va voir si... Déjà, bon, j'ai niveau 8, ça, c'est bon. Et est-ce que... Yes, il est de meilleure qualité, mais pas beaucoup, hein. Pas beaucoup. Et ça me permet d'avoir un point d'avantage. Ah, mais c'est cool, je vais avoir mes trucs que je voulais assez rapidement, parce que ça va me faire un point d'avantage là. Je vais pouvoir mettre là et dès que je monte de niveau, je mets celui que je gagne. En ingénierie, j'ai rien qui me. Les prochains, c'est 16, 14, 16, 14, 18, 20. 14, c'est les plus proches. Réduire la consommation de. Pour fabriquer des objets, ça peut être utile. Et. Ça, c'est bien, mais c'est le 14 que je voulais. De 14 seront pas prioritaires, donc voilà. Ouais, 20% de corps à corps hein, qui vont très vite arriver là. Ça, c'est très très bien. J'espère que ça joue, ça marche avec le les points gorille. Hein. Oui, bah oui, corps à corps, donc oui, c'est tout ce qui est. On est d'accord. Et débile sinon. Charge de 40, ouais. Charge, étant donné que je suis toujours à démonter. Donc, et eh ben j'ai pas de. Ah si. Oh là là. Ah oui, j'ai reçu un message de Regina, visiblement. 19, 20, 21, 22, 23. Ok, c'est ces trois derniers contrats de Regina. Du mot, envoyer un message si tu vois. Ouais. Allez, c'est parti pour les nouveaux contrats de Regina. J'aurais fait tous les contrats de Regina avant de réellement commencer le jeu. Réellement commencer le quête principale. Ah, non, j'ai oublié de bouffer. Tiens, ah. Qu'est-ce que j'ai perdu? J'ai le jeu qui a planté. Bon, ça arrive.
J'ai fait des retours Windows tout à l'heure, donc généralement. Généralement, ça peut. C'est un peu de ma faute. C'est pas complètement de ma faute, mais c'est un peu de ma faute. Salut Une à tous, sauvegarde, ça c'est a un pris. plaisir de vous retrouver. Alors, saviez-vous qu'un porte-avions d'Arasaka venait d'accoster à Na Merci pour l'éclat. Je suis sûr que ça servira. Contrat bouclé. Pour faire. Interprétation. Ok, allez. Tac. De toute façon, je vais changer. Ok. Ok. Fait que Regina dise que je suis la meilleure. Parce que je m'attendais pas. Tiens, j'ai dit que j'avais fait comme j'étais un peu faible en termes de. Tiens, personnage. Tac. Tac. Oh merde, j'ai encore oublié de regarder mes stats avant, après. Bon bah de toute façon là je suis à zéro. Parce que j'ai pas les points sortis, c'est ça? Voilà. Maintenant que j'ai les points sortis, je suis à 523. Oh, ok. C'est 37. Ah ouais, j'ai des bleus. C'est qu'il y en avait, ouais. Que je 98% d'expérience, c'est un peu dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. Tac, 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 tac. J'ai mes nouveaux contrats. Je peux aller juste ici. J'ai pas les autres. Ah ouais, il y a un CPD là, là-bas que je peux. J'irai pas faire. J'irai pas le faire tout de suite. J'irai largement après. Quand je dis après, je dis quand j'aurai fait la mission principale. Enfin, quand j'aurai commencé la mission principale. Encore une fois, petite pensée. Non, c'est redondant, mais quand même, petite pensée à Dex qui attend dans sa voiture depuis 5000 ans. Ouais, je suis en bas. Je crois que j'ai la zone, c'est marqué Ozu hostile. J'espère croiser des méchants là, que je gagne de niveau juste avant de. Juste avant quoi. Juste avant. Ça fait quand même 20% de dégâts en plus. Pas rien, je pense. Des petits gens agressifs là. Enfin, j'ai pas croisé une seule personne. C'est la tristesse. J'ai pas gagné d'expérience, ce qui me permettrait de.
c'est la misère. Ils sont pas là. Ils sont où ils sont? Oh, une voiture du Maelstrom. Oh. La bonne. Déjà mort. C'est bon ça. T'es mort toi. C'est beau là. T'es pas mort. C'était mort. C'est beau. Mission. Comme ça. Bon, mais très en technique, ce qui change pas grand chose. Mais au moins comme ça, fabrication peut aller jusqu'à 13 si j'ai besoin. Et je mets mon deuxième point là dedans. Ah, attends. Alors. Je veux voir. D'accord. Les dégâts de base, normalement. Ça monte les dégâts de base. 140, 540. C'est facile à retenir. 540. Et donc... C'est je touche, c'est pas dans les stats de base. C'était pas considéré. Alors, dommage qu'on n'a pas les stats complets et savoir aussi comment ça se passe pour notre bonus quoi. Parce que là, j'ai l'impression... voilà. Bon. C'est la vie, hein. Ok. Bon, bah je... Je sais pas si ce que j'ai fait était une bonne chose ou pas, si j'ai eu raison, et si ça, ça marche pour le but que je fais. Si je tape vraiment plus fort ou pas. Enfin, c'est corps à corps. Salut. Une fille des Mox va pas bien. Ça pourrait être la cyberpsychose. Mon client est en danger, il faut que tu le sortes de là. J'aimerais vraiment que tu m'aides sur ce coup. Voilà les détails. Ah oui, d'accord. J'ai reçu un appel d'un certain Alcantos. Le type est connu dans le quartier. Super calibreur de DS. Il bossait à WNS jusqu'à ce qu'il se fasse choper pour fraude. Il travaille exclusivement pour la rue. À présent... Comme si ça changeait quelque chose. Il s'est mis dans une drôle de situation, calibrer une DS pour les Mox, et il a dû merder quelque part parce qu'une des filles a pété une durite après avoir enfilé la couronne. Elle a commencé à hurler et à tirer sur tout ce qui bouge. Elle a réussi à se planquer, mais c'est qu'une question de temps avant qu'elle ne trouve. Tu vas t'assurer que ça n'arrive pas. Je t'envoie les coordonnées de l'entrepôt où elle est coincée. Je te le répète, au cas où tu n'aurais pas entendu la première fois, il y a une tireuse active dans le bâtiment. Sors ton crasher avant d'entrer. Tu recevras tes ennemis que si Al s'en sort vivant. Ouais, mais Al va s'en sortir vivant. Et moi, je veux même pas tuer les gens, parce que j'aime bien les Mox. Enfin, j'aime bien les Mox. Ça reste un gang, hein, mais voilà. Je leur dois certaines choses. Ok. Ok. Ça, j'adore. Arriver, faire ça. Se connecter. Ah. Ce jeu. Ok. J'ai pas les soins là-dedans. Ok, ça, ça va servir juste à ouvrir. Moi, je veux de l'ouverture, mais de l'ouverture qui me sert d'XP. T'es qui? Tu serais pas Toubib par hasard? C'est Regina qui m'envoie. Évidemment. Toujours bien informé, celle-là. Alcantos, où est-ce qu'il est? Je sais pas trop. Je suis sûrement en bas, quelque part. Oh, je lui ai dit de se planquer.
Il s'est passé quoi ici? Al devait nous... nous craquer une DS. Et il l'a fait. C'est ce qu'il a dit en tout cas. Mais c'est parti en couille. Quand Annie a plongé dedans, je l'avais jamais entendu crier comme ça. Elle a disjoncté. Tu devines la suite. Cette cyberpsycho. Je dois m'en occuper. Oui. Tu l'as. Si tu arrives. T'as qu'à te connecter. Te connecter à elle. Oh, à travers notre réseau local. Grille-lui son chrome. Vex. Connecte-toi à elle. Oh. Elle est pas loin. Elle a été touchée la première. Oh. Intéressant. J'ai jamais fait ça. On va voir ce qui se passe. Servir de passerelle. Des gangs, des problèmes de gangs. Elle est vraiment affaiblie grâce à ça? Merde. Oui, la seule chose que je peux faire, c'est pinguer. Donc, bah, ça sera un beau combat encore. C'est pour ça qu'on est là, hein. Feu. Le feu, ça brûle. Ça va. Faute, hein. C'est un méfautif. J'ai pas envie de la tuer. Je vais essayer de voir si je peux pas. J'ai matériel cyber. De trop faire. Qui a défilé cette... Et voilà. Je crois que celle-là. Je sais pas si elle est tuée ou pas. Bon, pas grave. C'est pas pour ça que je suis là, moi. En théorie, hein, je suis pas là pour les sauver. Hein. Elle est vivante, elle est morte, elle est morte. Hein. C'est intéressant ça. Ah mince. Ah. C'est bon, tu peux sortir. Oh, enfin. Je commence à manquer d'air là-dedans. Tu sais, quand tu te lèves le matin et tu te dis que ça va être une journée de merde, le genre où tout va de travers,
Bah, c'était une de ces journées-là. J'aurais mieux fait de rester couché. Pourquoi cette fille a pété les plombs? Pourquoi les gens font des cyberpsychoses? Personne n'en sait rien, et personne ne tient le savoir. L'autre fille, à l'étage. Elle est vivante, mais dans un sale état. Elle pisse le sang. Tu vas pouvoir la remettre sur pied? Moi, non. Mais Regina va envoyer quelqu'un. Ça va aller. Bon, j'ai fait mon boulot. On se voit plus tard. Plus tard? Putain, j'espère pas. Je suis un peu d'accord avec lui. Hein. C'est le genre de personne que la plupart des gens ne veulent pas revoir, et c'est compréhensible. Hein. Tout à fait compréhensible. Bien, Wesh. Elle est vraiment content. Yeah. Parle tout le temps de toi. Toujours en bien, évidemment. Garde à l'esprit que les nouvelles se répandent vite, V. Contrat bouclé. Dommage que ça parle pas du fait que je l'ai laissé en vie. Ah. Les portes ? Bon, allez, je me tire à l'arbre. Tac, et bon, on va faire celle-là. Hein. C'est bon, c'est loin, ça va. Ouais, certains points. Oh, bah attends, je peux carrément par contre vu. Ok, c'est parti. C'est un bon premier. Peut-être pas encore la force de l'affronter. À pas se cacher que. Éviter les conneries. Son code. C'est vrai qu'il y a un marchand d'armes là. J'avais pas un truc à acheter chez le marchand d'armes, je me suis dit ouais, si je passe par un marchand d'armes, blablabla, je sais plus quoi. Mais oui, je sais pas. C'est le marchand de vêtements peut-être. Je sais pas. En tout cas, je sais pas. Ah, les plans d'un marteau, ça serait. J'aimais bien les marteaux et je me dis les plans d'un marteau. Si je peux avoir les plans de marteau, en vrai. Ça peut être hey, combien pour ça? C'est ici. Hey, cherche un nouveau cracheur. Un truc décent. Eh ben, pas de problème. Intéressant. Bon, tu veux en par contre un truc assez intéressant, mais bref. Tu n'as pas de plan. Merde. Ah. Quand je fais ça, j'ai que les. Ok, j'ai pas les plans. Pas de plans de fabrication qui m'intéresse. Comme ça, il y a certaines parties où j'aurais été content. Ok, t'as pas ce que je cherche. Voilà. C'est même pas un truc qu'il faut aller voir. Mais c'est pas vrai. J'ai pas les marchands de sushi. J'ai la nourriture sur moi, ça suffit. Sur quoi on est? Putain, il y a l'air d'avoir des gens. Ok. Ça n'a pas l'air d'être pour. Putain, ce serait mieux d'aller voir ça. Tout? V, un de mes gars a mis l'Itac au cul. Il est gravement blessé et il se terre dans un appart à Kabuki.
Je le ferais bien sortir moi-même, mais les corpos ont bouclé tout le quartier. Ça te dérange pas d'aller l'aider? Les infos sont jointes. Si, je pense. Tiny Mike est dans la merde. Tu l'aides aujourd'hui, il t'aidera demain. Tu sais comment ça marche. J'ai envoyé Tiny voler quelques dossiers à Minitech hier, et de toute évidence, ça ne s'est pas passé comme prévu. Tiny a récupéré les données, mais Minitech a tracé le piratage et Mike se retrouve coincé. T'aimerais pas que ça se finisse mal, pas vrai? On va essayer d'éviter ça. Tiny s'est barricadé dans notre planque, l'appartement 63 d'une zone résidentielle au nord de Kabuki. Minitech l'a retrouvé. Il est encerclé, véhicule blindé, troupes corpos lourdement armés, la totale. Ça m'étonnerait pas de voir débarquer l'invincible armada. Je veux que tu franchisses leur cordon et que tu sauves mon gars. Et t'en fais pas, tu bosseras pas gratuitement, je te joins ce qu'il faut pour le reconnaître. La question c'est, je m'introduis de quelle manière? En vrai. Faut que tu restes. Je fais ce que je veux. Hein. Ah, ok. Combien de fois il va falloir que je le redis? Gamin alors. Ok. Tout bloqué. C'est ma vie. Je fais ce que je veux. Quelle vie? Te prendre des coups de queue pendant que je me casse le cul à bosser? Pas ça, cette comble. Venant d'un coin gros comme toi. Parce que. Sur celui-là. Merci. Ok. On attend. Ok. Donc c'est Minitech, hein, j'en ai rien à foutre, hein, je suis les. Jeune, sympa. Minitech, à terre, attends. Parce que j'ai fait de la merde là. C'était pas notre gars. Ah, ils font juste le tour des de tous les apparts. Ah, fuck. J'ai eu peur. J'ai peur que c'était l'appartement de gars en fait. Toi. Implication dans des activités terroristes. À toutes les branches de Minitech opérant à Night City, localiser et éliminer la cible, et récupérer l'appareil contenant des données volées à Minitech. La cible sera sûrement aidée par un être honneur. Les données biométriques tirées des scans de la cible ont été corrompues, rendant l'identification complète impossible. Le dernier contact visuel avec la cible a eu lieu au croisement de Cort et Kennedy à Night City. On soupçonne la cible de se cacher dans une résidence des environs. La cible doit être considérée comme armée dangereuse. Donner de la cible, blablabla, asiatique, masculin, ok. Alors, putain, ils avaient pas grand chose comme info. Non, bah non, en fait, je sais pas. Oh, oh, bien. Allez. Bon, ça, j'en ai rien à foutre. Pas de cette catégorie de gens. Je peux aller tout droit. J'en ai peut-être là. Je sais pas où il arrive. Je... Ok. Oh merde.
Dans le sac. Ça marche. Dans le sac. C'est ta part. Est-ce que ça va? Oh, oh, oh. Putain, ça c'est de la bonne. Merci. Tiny Mike? En personne. Bon, et si on arrêtait les politesses? Faut qu'on se tire d'ici, et vite. Hein? Sans déconner. Je sais comment sortir, mais c'est toi qui gères ces putains de corpos. Tu m'apprends rien. C'est pour ça que je suis ici. Bon, on y va? T'es prête? Je t'attends, moi. J'irai pisser sur ta tombe. J'irai pisser sur... Sors-toi de parler. On n'a pas de temps à perdre. Allez. Attends. Reggie vient de m'envoyer un message. Il y a une caisse garée dehors. Elle nous attend. Sors de là ! T'as encore rien fait de grave. C'est faux. C'est... C'est une question de temps. C'est un truc qui est vrai. Ah, merde. Écoute, il y a des portes à gauche qui donnent sur le restaurant chinois. Je suis sûr à 80% d'arriver à les ouvrir. Et si j'y arrive, on sera qu'à quelques pas de la sortie. Ça veut dire quoi, 80%? T'es sûr ou pas? C'est tout ce que je veux savoir. J'en suis sûr, mais pas à 100%. Ça reste quand même pas mal, 80%, non? Continuons d'avancer. Je déciderai en chemin. Ah, ok. Surtout que moi, j'ai pas besoin, là. Là, tu me ralentis, mec. Restaurant, mais j'ai pas envie d'aller jusqu'au restaurant, mec. Mais t'es où? Mais qu'est-ce que tu fous? C'est quoi? De toute façon, on s'en fout, mais t'es qu'ils sont pas dangereux. Oh, putain, vous êtes vraiment là? Ah, ok, là. Dites-le si vous êtes là. Ah merde, effectivement, ok. Je les ai peut-être légèrement sous-estimés. Ok, ok. En vrai, tout se déclenche et tout ça. Ok, j'aurais dû tuer tout le monde avant. Ça aurait été limite pire. Ok, ok, ok. Je sais à quoi on est bien. Je sais, ok, c'est vrai. Ah mais on revient là. C'est une blague. On n'a pas de temps à perdre, allez. Ils sont gardés avant. Attends. Reggie vient de m'envoyer un message. Il y a une caisse garée dehors. Elle nous attend. Parler à... Il y a des mélipores dans les parages. Écoute, il y a des portes à gauche qui donnent... Je suis... Chance. S'arrête. Continue. Ok. Si. Contact! Contact! J'approche à courte portée! On a perdu des unités!
De quel restaurant il parle par contre? Je sais pas de quel restaurant il parle. Il y a des gens là. C'est ça le restaurant? Ok, d'accord. Attends, putain, je suis encore touché. Que tu peux ouvrir. Vas-y, tu es fâché, truc là. On est où? On m'a dit que tu pouvais l'ouvrir au bout. Arrosez-la! Et quoi là? Tu m'as dit que tu pouvais. Ah. Entre, vite! Ça y est, il a décidé. Zang m'a toujours dans son système. Je pousse ça. En quoi ? Ça doit être simple. Attention, elle est pas loin. Ça n'est pas loin. Ils sont tous morts là, ceux qui sont intervenants. Qu'ils envoient des renforts là. Ça va être très simple. Et je peux même bouger mes points. Tout. Voilà. Ok. Il faut jouer. Tu vas t'en tirer tout seul? Ouais, je suis libre maintenant. J'avais jamais vu Militech autant sur les dents. T'as-tu leur volé quelque chose d'important? Disons que... qu'ils aiment pas qu'on leur rappelle leurs erreurs. Ça répond pas à ma question. Écoute, moins y a de monde qui sait ce que j'ai tiré, plus ça vaut des dits. T'es une mercenaire, tu connais le topo. T'as parlé d'un certain Zeng. C'est qui? Madame Zang. Je l'ai aidé à ouvrir ce resto avant de disparaître. Rouler des nems, c'était pas vraiment ma vocation. Pourquoi est-ce qu'elle avait ta biosique dans son système? Au cas où son mec doive s'absenter, peut-être. Bon, c'est le moment pour moi d'y aller. Hé, hey, un dernier truc. Je sais pas qui je dois remercier de m'avoir sauvé les miches. Tu t'appelles comment, déjà? C'est beau, mais dans vrai, en réalité, tant que John, faut avoir des contacts et tout ça. Je sais que t'es pas du genre à stresser. V tout court. Bon, ok. À la prochaine, V. À plus, Mike. J'ai besoin qu'il sache qui remercier. Bon, oh, c'est qui est maintenant la ligne de mire, là, les tech. Attends, on va les tuer. J'ai eu des nouvelles de Tiny M. Merci pour ton aide. J'aime travailler avec des pros. Le contrat est bouclé. Ça m'arrange que t'aimes travailler avec des pros. Je suis très pro en réalité. C'est quoi ça? Ah, mais c'est du Tiger Woods. Je pensais que c'était des vrais méchants. C'est des putains de gangs. Tiens, ça me permet d'avoir le dernier point de réputation. Oh bah, tant mieux. Je ne l'aurais plus. Ah non, c'est ma pauvre qui est morte. Je sais pas si c'est moi qui t'ai tué, ça se trouve. Ah. Ok. Prochaine destination n'est pas très loin. Tant mieux. Tant mieux. C'est toujours cool. Hey, t'as vu ça? Cette chose, juste là. Fumez quoi, Tchoum? Aucune chose. Ouais. T'es qui? Vous êtes qui, vous? Des mercenaires de l'Afterlife, je peux pas vous tuer, vous êtes des collègues. Rail.
pas cool cette fois, Regina. Ça sera, je prends une bagnole dans la gueule parce que je suis trop con à marcher sur la route. Tant pis pour ma gueule. Oh, bien. Faire ça, c'est moi qui fais la merde. Ce que j'ai foutu, mais j'ai bien foutu de la merde. Bon, bah, c'est la vie, hein. Ça arrive. Ça arrive une fois. Je préfère ça. Je préfère quand tout le monde est bien mort. Ok. Pas ce qu'il y avait à faire de mieux. Comme tu le sais, Kabuki a un nouveau fixeur venu tout droit de l'URSS. Depuis quelques semaines, il trempe dans de grosses affaires à Night City. Je sais pas dans quoi exactement, mais on va le découvrir. Tu vas voler son éclat de données. Ah putain dessus. Tu trouveras plus d'infos sur ce boulot et sur notre camarade en pièce jointe. Là, faut pas... Ok. Faut pas se faire repérer, ça va être chaud. Des costards d'Arasaka à la langue bien pendue et passant un peu trop de temps dans les bars ont laissé entendre que des affaires importantes étaient en discussion avec les cocos. Après vérification, il ne s'agit pas d'un simple concours de bites avec des corpos rivaux. Il y a quelque temps, Mikhail Okulov est arrivé à Night City, la voiture avec le tracker. C'est un fixeur soviétique de première classe. Mon client veut récupérer l'éclat de données d'Akulov, qui contiendrait de précieuses informations à propos de discussions avec les Japonais. Rends-toi à l'hôtel où séjourne Akulov et débrouille-toi pour lui piquer son éclat sous le nez. Utile de préciser qu'il sera extrêmement protégé. Mais n'oublie pas, si tu parviens à entrer et à ressortir sans laisser de traces, tu auras droit à un bonus. Appelle-moi quand ce sera fait. Ok, là c'est important parce que bah là il y a du fric en jeu. Hein. Enfin, il y a du bonus en jeu. Et moi les bonus en jeu, ça m'arrange. Ouais, je me souviens. J'ai parlé de toi, mais y a pas de taf. Ouais, bien sûr que j'ai demandé. Mm-hmm. Comment tu veux que je sache? Je vais être en colère si je vole la carte d'accès. Tout le monde sait que tu galères. Pourquoi si je fais désactive la caméra? Ok, je peux pas le pirater. Ça l'impose si je fais ça. Parce que là, rien d'important. Ok, je peux faire ça. Je regarde, hein. J'ai accès à plein de trucs. Que puis-je faire pour vous? Quoi? Il y a une autre carte d'accès du personnel, donc ça me va. Ça, je peux ouvrir, mais ça me sert à rien. Je vais Ok, ok. Je vais faire très attention. C'est la 13 où je recommence. Si je fais la 13, je recommence tout à zéro. Ce qui peut être pas mal, hein, mais ça me sert à rien. Bon, flemme de tout recommencer à zéro, normal. Ok. Si j'arrive du côté où je suis pas censé arriver, le mec il est en mode qu'est-ce qui se passe, c'est normal. Tac, tac, tac. Réception, éclat d'accès, option requise. Ah, je crois que j'avais le bon truc. J'ai pas... Merde. Les gens quand
On t'a pas lu la notice après. Ok. Je pensais avoir la bonne carte, mais j'ai cette carte là. Je pense que j'ai, mais celui-là. Voilà. J'ai pu. Voir ce qu'il me fallait. Ah. Je sais même pas à quel étage je vais. C'est bien. Trop fort. Ok, si je veux re... T'as 0, je... C'est quoi ça? Ok. Est-ce que tu peux descendre à pied? C'est quoi ça? Ah, à l'étage. Ok. Voilà, j'ai pas de champ. Lui, il en a rien à foutre parce que de toute façon, il est sous-payé. Ok. J'aimerais bien vous voir. J'aimerais bien essayer de redescendre. Ça mène. Ah ouais. Je peux pas réellement redescendre. Ok. Ok, on peut pas redescendre tout en bas. Donc y a pas d'escalier que tu peux remonter entièrement. Ok. Ok. Quoi ? Je suis détruit. C'est ici. C'est plus fort que moi. Ah, je pourrais. J'aurais pu. Ok, d'accord. Ça déclenche pas d'alarme. J'arrive direct là. Ok, d'accord. C'est qui m'a vu? Ok. Je peux ouvrir quoi avec ça? Rien du tout. Si ça va redresser les gens. Mais non, ils sont trop loin. Ok. C'est la merde. Faut qu'elle bouge là. Tant que ça. Des vents. Juste pour faire chier en fait. Que je veux un peu plus d'infos sur ce qui se passe. Hein. Je me sens vraiment pas bien. Je n'arrive pas à dormir. Je suis faible et angoissé. J'ai consulté le charcutoc que tu m'as conseillé. Il m'a dit que mon corps était surchargé. D'après lui, si je ne remplace pas certains de mes implants par des substitutions organiques, je risque d'avoir une crise cardiaque. Ah, Xavier est angoissé. Il ne comprend pas la technologie soviétique. Tu vas aller voir Sergei. Il n'est pas du genre à paniquer devant des bioresultats un peu au-dessus de la normale. Sois forte, n'oublie pas qu'on t'a donné carte blanche, profites-en. Ne laisse pas tes nerfs prendre le dessus, prends juste des somnifères plus puissants. Une dernière chose, fais attention à Mikhaïl, son biomètre indique que son niveau de cortisol est élevé. Ok, merci. Ça c'est des problèmes perso, ça m'intéresse pas. Ah merde, attends, lui il va bientôt intervenir. Ah. Je le mets hors d'état de nuire. Il est tué. Tac. Sans tuer. Et
Kael, dis, j'espère que tu ne déconnes pas pendant tes petites virées en solo en ville, hein. Si tu nous lâches, on est dans la merde. Prends Nad ça avec toi au moins. Et arrête de couper la communication. Je ne plaisante pas. Ce que tu fais, c'est pas sérieux. On s'en fout de savoir de quoi tu parles. Tu te souviens de Damir ? À Istanbul ? Exactement. Lui aussi, il a copié la communication. Et tu sais comment il a fini, pas vrai ? Ah ouais, c'est bien de vouloir profiter des vacances lors d'une mission, mais c'est le meilleur moyen de se faire avoir. Ok. Carte d'accès de la housse. Avoir des infos, moi ça m'arrange. Je les ai pas tués, ils ont de la chance. J'aurais pu les tuer. J'ai décidé de pas le faire pour une fois. Ah, mais c'est la carte de Nintendo, je m'en fous de ça. Je dois avoir un double, mais. Pour une fois, j'ai décidé de pas les tuer. Ce qui est rare. Profitez-en. J'entends un cliquetement troublant. Mon compteur Gégère, qu'il repose en paix. Je me tiens sur une surface en verre. Par endroits aussi lisses que de la glace. Et à d'autres, fissurés et bréchés. Le sol que je foule est formé d'un sable fondu par la bombe thermonucléaire qui a explosé ici, l'une des cinq larguées sur Dubaï. Je me souviens de vieilles photos de la fin du siècle dernier, des gratte-ciel évoquant des obélisques de cristal effleurer les cieux, des supercars, des palmiers. Aujourd'hui, plus rien. Comme une mer gelée, surréaliste, recouverte de la poussière irradiée de la péninsule arabique et scintillant sous le soleil du désert. Et pourtant, à côté, dans les anciens banlieues de la ville, la vie suit son cours. Une vie difficile, brutale, impitoyable, mais une vie tout de même. Rares sont ceux qui osent s'aventurer à l'extérieur sans combinaison hazmat, même improvisée. Tout type de logement doit être construit avec des murs de béton d'au moins 4 mètres d'épaisseur et sans aucune fenêtre. Cela permet de survivre, d'accord, mais dans quel but ? Contrairement au paradis des corporations qu'est New Dubai, ville bâtie plus profondément dans le golfe Persique, l'espérance de vie moyenne dans l'ancienne Dubaï est d'à peine 30 ans. Certains ont toutefois trouvé des avantages à vivre dans ce lieu. Pas de visiteurs, aucune unité de force spéciale ne sera jamais déployée ici par Netwatch ou par une corporation. Cette terre de verre et de poussière est aujourd'hui un refuge pour les criminels les plus recherchés de la planète. Certains affirment qu'ils ne font qu'attendre le jour où une mort prématurée les enverra en enfer. D'autres prétendent qu'ils s'y trouvent déjà. Ok. Tac. Faut faire gaffe là parce que en vrai... Une seule caméra, tu te fais repérer, bim bam boum, tu es considéré comme échoué sur la mission bonus. Hein. Donc, faut faire attention. Par là, c'est la sortie. Là, là, là. Ok, ok. Bon, attends, je vais prendre la bouteille quand même. Tac, tac. Putain, il a trop de la chance que pour une fois, je le tue pas. Alors, je suis ici. Ok. Trop d'infos sur sa mission. On va te faire gaffe. On arrive sur le nom. Compliquèche. Si tu te fais avoir par une caméra, c'est embêtant. Ah purée, il y a un petit jardin tranquille. Là, c'est vraiment un penthouse de gros Richard. Et vraiment très très beau. Hein. Ah oui, j'aurais pu monter par là. Ok, d'accord. Ok, c'est juste une alternative à pas remonter. Ok, donc il n'y a pas trop de danger. Qu'est-ce que j'ai dit sur le fait de pas se faire avoir au dernier moment? Qu'est-ce que j'ai dit sur le fait de pas se faire avoir au dernier moment? J'ai eu du bol. Hein. C'est un peu de chercher tout ce que je pourrais trouver. Cal, je m'en fous. Camarade, où en êtes-vous? Camarade général, les pourparlers sont en bonne voie, mais il me faut plus de temps pour arriver à un accord. Nous allons peut-être devoir faire une nouvelle offre, et nous devons surveiller nos voisins du sud. Ils essaient aussi de se rapprocher des Japonais. Nous contrôlons les systèmes de sécurité de l'hôtel et nous avons mis en place un VPN. Tous les messages que vous écrirez seront cryptés et personne ne pourra y accéder en dehors de ce réseau. Et donc il vient pas en tant que fixeur indépendant, hein, il vient en tant que représentant de son pays. Ce qui est marrant, c'est que la Corée du Nord, elle aussi, est un peu en mode
concurrence, j'ai dit. Putain, j'ai du mal. Ok, je peux pas. Normal. Tu peux l'utiliser ? Ah, j'ai aussi. S'il y a d'autres messages. Ok. Non. Allez, on se tire. Extraction, c'est bon. Putain, bon, je pense que vous êtes pas mort. D'habitude, je les tue à chaque fois. J'ai repris la carte d'accès du Penthouse au cas où. Est-ce que je peux ouvrir cette porte là avec... Yes. Génial. Ah, j'aurais pu ouvrir cette porte là en fait. Comment on va ? Fait pour aller par là ? Je sais pas trop où je suis en fait. Ah oh bah, je suis considéré comme sorti. Génial. Bon bah, c'est bon, ça me va. Je m'appelle Original et la mission est terminée, je fais ce que je veux. Je bute qui je veux et puis basta. J'ai l'éclat. Bien joué. Je t'envoie les coordonnées du lieu de rendez-vous. Le client t'attendra là-bas. Pourquoi j'ai l'impression d'être un agent corpo ? C'est quoi ce délire ? La Chine, c'est eux le client. La Chine ? Je croyais que t'aimais pas nager au milieu des requins. On a tous des dettes, V. Fais ton job. Quel genre de dette ? Ça date de l'époque où j'étais journaliste. J'ai eu besoin d'aide. Et vite. D'aide pourquoi ? Est-ce que je me mêle de tes oignons ? Est-ce que je trifouille dans ton passé ? Non. C'est vrai. Je plaisante, V. Mais bon, si ça te dérange pas, je préfère en finir avec ça et passer à autre chose. Bon, tu te mets en route ou quoi ? Ok, j'y vais. V ! Attends. Quoi ? Une fois sur place, pose pas de questions. Ils aiment pas ça. J'essaierai. J'ai réussi, censé être allié, mais c'est ce peu dans l'un l'autre. Classique, non. C'est la même chose. Pour le coup. Temps de chargement, ça. J'ai très bien. Allez. Petit groupe là, c'est bien quand je suis proche de tes niveaux là. Endroit craignos, limousine stylée, costard corpo. Et faut que je file un mot de passe aussi, genre ? Sampi. T'es pas du genre loquace, hein ? Badi. Inifo。有了，陆军中校。数据呢？我识套层加密，要攞翻去先可以解码。明啦，你可以走啦。 Comme ça c'est fait. Un boulot pareil sans aucun incident. Sans faire la moindre vague. Alors là, tu m'impressionnes. Le contrat est clos. Merci. Petit bonus. Intéressant, les petits bonus. Si je fais pas le gros de mon fric avec ça, mais bon, c'est ça. Tiens. Parce que je peux traduire. Ah, mais j'ai plus aucun bonus.
C'est cadeau. C'est trop sympa. Dieu te bénisse. C'était un vrai lutin. Ouais. On s'en fout. Ça fait. Ah, tiens. Change de chapeau, visiblement. Chapeau, je sais pas. Ok. Bientôt niveau 15. Hein. Casser la gueule à des gens. C'est toujours bien ça. Ça c'est un iconique, hyper critique, fusil de précision cinétique. Et ben on va pas le. Faire gaffe, il va falloir rentrer à la maison pour le ranger. Ok. Des gens sur le chemin à tuer aussi. Ça permettrait de prendre le niveau 15, c'est pas obligatoire. J'avais vu les autres tout à l'heure mais je sais plus où ils sont. Donc, bon. Il n'y a rien de. Si, ils sont là. Si. Ok. C'est de gens pour monter le niveau. Des gens croisins. Fait haut et puis merde. Alors, ça peut être vite dans. Ça. Tiens. Ça peut être enfin. Tranquillement. Se précipiter. J'aime bien, c'est cool. Ok, raconte-moi ce que t'as. Faut pas me le dire deux fois. Je pourrais acheter des composants, j'aimerais bien nous en. Début du jeu, c'est trop cher et comme je vais avoir des achats à faire, je voulais juste voir si t'avais des points un peu. Hey, attends, on part pas. Vous vendez quoi ici? Que du top niveau. C'est
Fabrication baseball, ça c'est cool. Eh mais ça, c'est 16 500. Vas-y. Il a un plan de marteau. Il sait comment me parler. Voilà. Il a un plan de marteau. Il sait comment me parler. Oh, j'ai envie de prendre partout. Parce que je le veux. Ça, je l'ai déjà en fait. Les battes de baseball. Ouais. Qu'est-ce que je vais enfin changer un peu? Ça faisait longtemps que je l'avais su. Hein. Bon, je vais me créer un marteau quand même. J'ai le plan du marteau, je vais me créer un marteau. Hein. C'est évident. Yeah. Et j'ai la batte, j'ai déjà la possibilité de faire une batte épique. Marteau. Ça c'est bon. Tac tac, fais le tour. Et si je pose. Ok. Ça c'est D. Actuellement, je vais pas prendre le. Je vais pas prendre le. Parce que de période sub, parce que je sais pas si je peux le recréer après, donc c'est mort. C'est mort, c'est mort. Pourquoi il y a des grenades? Bien sûr. Bien sûr que je prends les trois, ça sert à rien. C'est bon. J'ai une iconique, c'est tout ce qui compte. Ah ouais, je pourrais dormir aussi. Je sais pas s'il y a un bonus à se coucher. Ah mais j'ai plus mes bonus de... Ah si c'est... Ah mais si je dors je vais perdre tous les bonus, ouais. Faut pas. Ok. Petit fou. Et... C'est original, là, ouais. En théorie. En théorie. Carnage. Oh, qui? Ça te perd. Méditation. Non. Alors. Il me manque. C'est lui qui manque quelque chose pour monter les cartes. Oh, c'est pas grave. Encore toi. Ça sera le dernier. Ah, il n'y a pas des gens par ici. Oh, c'est bon. Il n'y a plus personne. Ils arrêtent de faire de la merde ici. Ok. Il y aura peut-être des gens sur le chemin, je sais pas. T'es assez bien affamé, donc il y aura pas. Je pense pas qu'il y aura une. Oh, je dis ça, mais ils sont là. Bonjour. C'est parti. C'est pas le suivant. C'est pour le niveau suivant, mais vraiment de peu. Hein. Là, ouais. Tour du Malstrom. Okay.
C'est le garde des gants. C'est le garde des gants. J'en ai pas vu. Ça va être plus compliqué. Enfin, je vais perdre la vie. Je temporise en récupérant la vie. Et je pensais pas que c'était une garde des gants en fait. Merde. Ah, il y a encore des gens. Et bah c'était chaud. C'était vraiment très très chaud. Ah oui, c'était complètement une guerre des gants en fait. Ok. Je sais pas s'il y a des gens encore en vie. Je leur souhaite. Je vais achever personne. Je vais être sympa, je vais achever personne. Et pour fêter mon niveau 15, j'achève personne. Ok. C'est vrai que je l'ai vu, hein, il a envie, mais je tiens ma promesse. Que ça en fait, surtout de la merde. Ouais. Ah, quand même, pas un fusil d'assaut, hein, normal. C'était venu en force, ok. Et bon, bah, et... tant mieux. Capacité technique, rien qui m'intéresse. On va aller voir en combat de rue. J'avais toujours pas mis un seul point en combat de rue. Il est temps de changer tout ça. Augmente les dégâts des enchaînements avec les armes contondantes de 30%, mais est-ce que ça joue aussi avec les points ou pas? Ou alors faut vraiment que points soient précisés. Est-ce que les bras de gorille sont considérés comme des armes contondantes? Pareil là, est-ce que ça a marché avec les points de gorille ou pas? Ça j'aime bien. Ça je commencerai bien par ça. Attaque puissante, ouais. En fait, les deux que je vise là, c'est là. Non mais il y a un symbole de point. Donc s'il y a un symbole de point, ça veut dire que ça marche aussi avec les bras de gorille. Forcément. De toute façon, ça va être très simple à voir ça. Hein. Je le mets, au pire je me respécialiserai et puis basta. Allez, c'est parti. Ah, imagine, tiens. Le fils d'Arati Kapoor a fait une overdose de paillettes. T'as dû en entendre parler, non? Une drogue dure qui circule en ville depuis quelque temps. Arati veut que tu détruises le labo de production. Qu'il en reste plus qu'un cratère. Regarde la pièce jointe pour plus d'infos sur Arati et son problème. Ok. Alors. À moins que tu vives dans une grotte, t'as dû entendre parler des paillettes. D'après la rumeur, il suffit d'en prendre une fois pour être incroyable. Ce qui ne dure pas longtemps, puisque ça provoque encore plus d'overdose que la néo-fentanyl. Ce n'était qu'une question de temps avant qu'un gosse de riche à peine pubère se grille la cervelle. La mère du gosse en question est Arati Kapoor, copropriétaire de la chaîne de restauration Malasa Studio. Autant dire qu'elle n'a pas bien pris la nouvelle. Mais Kapoor n'est pas du genre à se complaire dans sa tristesse, non, elle a un plan. Le labo où sont produits les paillettes doit être entièrement rasé. Ici, une partie des fils de pute qui gèrent l'opération disparaît avec. Tu penses bien que ça sera pas un problème. Je t'envoie les coordonnées. Attention, des Tiger Claw protègent peut-être le petit monde. Non, tu crois que les Tiger Claw protègent peut-être le petit monde?
dirais même que les Tiger Claws sont les principaux protecteurs. Tac, tac. Voilà, je peux pas. Si, je peux pas. C'est pas trop. Oh, il y a lui là-bas. Ok. Sur ça ? Ah, mais le truc est. Ok, je peux le fermer. De toute façon, je peux passer par là-haut. C'est dans le tas et tiens lui péter la gueule à lui. Faut pas sinon je t'encule. Hop, j'ai pas l'impression que ça marche hein. Faut vraiment arme contondante pour que le truc de soin se défend, ou alors c'est moi qui est mal vu. Après c'est que 2% je crois, un peu comme ça. On va attendre de voir ce qu'ils font. Alors, qui t'a donné mon numéro ? Alan. Super, maintenant on va te faire foutre. Allez, pareil que t'as des paillettes, j'organise une fête, t'es invité, contente-toi d'apporter un peu de calme. Je t'ai dit d'aller te faire foutre, alors va te faire foutre. Pigé, du calme, pourquoi tu t'énerves comme ça ? Ce connard d'Alan est dans la merde là, envoie un message et je te jure que je te le défonce. Allez, vas-y, je t'en... Allez, vas-y, envoie. J'ai mélangé tout, mais... Ah. Quoi ? Tu veux ? Ah, attends, ils sont... Par où on peut... Non, on peut aller. Ah ouais, je peux forcer ici. Non. Je cherche. Ouais, je peux descendre là. Je vais aller par là. T'as pas été comme le truc qui m'a eu. Vas-y, je peux descendre comme ça. Oh, c'est en classe de descendre comme ça. Si c'est pour la discrétion et que pas quelqu'un de discret. Ah, les caméras. Ah, j'en fais exprès. Je sais qu'il y a des caméras en plus. Bon, il y a peu de personnes qui doivent rester maintenant. Faudra juste faire un peu attention quand même. Et où ? Sérieux, Chaume ? On peut rien faire. Allô ? Tu devrais être là depuis 3 heures. Merde, désolé, je suis là dans une heure. Qu'est-ce qui se passe ? Ah, comme d'hab. Faut que t'arrêtes de boire autant. Toute l'opération repose sur toi. Ça arrivera plus, promis. Faut trouver quelqu'un qui s'occupe près de toi, genre un garde. Ouais, mais là, ça serait pas la même. T'obligerais à pleuvoir. Et aller boxer comme l'idiot que tu es. Ok. Badouille. Oh non, ça c'est bien. Si je peux avoir la cam désactiver, ça m'arrange. Voilà. C'est quelqu'un qui voit. Désactiver la caméra. Parce que si je peux en avoir un ou deux par surprise, ça m'arrange, tu vois. Ouais, j'ai plus de bonus. Oui, et non, ça c'est de l'alcool. Ça c'est de l'alcool. Oh, attends quoi ? J'ai un point ? Point dispo. Est-ce que je le finis ça ? 5% de santé en 2 secondes, ouais. En vrai, j'ai pas l'impression que c'est marché, et ça m'énerve. Tu sais quoi ? Ok, j'irai voir sur internet si... c'est vraiment utile ou pas.
C'est moi qui ai fait de la merde ou il m'a eu si vite que ça? Je pense que c'est moi qui ai fait de la merde. Vous avez fait de la demi-heure? C'est pas bien. Non, je vais voir si je vais mourir. J'ai l'impression que je me suis soigné. Et bon, avec lui, il m'a attaqué. Oh putain! C'était quoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé et ça m'a déconcentré. Mais je crois qu'il y a un truc qui a explosé à côté de moi. J'aurais dû me soigner direct. Bon, pas grave. Tant pis pour moi. J'ai qu'à faire moins de la merde. J'ai que vu. Allez, fils de proc! Montre-toi! Par exemple, c'est vrai qu'il y avait un bonus. Ah merde. Je pense que c'est le dernier, lui. Allez. Mais c'est tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Comme d'hab, je crois que j'ai appelé la voiture. Alors ça sert à rien. Bon, on fait le tour avant d'exploser tout. Mais t'es en vie, toi? Ah ouais, t'étais en vie. Incroyable. Bon, en fait, t'es plus en vie, ça c'est sûr. Ok. C'est quoi qu'on gagne? Ah, des lames mantisses. On sait jamais si je m'en mets, si je décide de m'en mettre. À un moment donné, de me respect complètement. Parce qu'il n'y a plus rien dans le. Dans le truc. Deux fois que j'appelle la bagnole. Ok, allez. Faut que je revoie. Détruire le matériel. Ah ok, d'accord. Ça. Ok, quittez les deux. D'accord. Oh mais merde, c'est ça que je fais en bordel. Est-ce qu'il y a encore des gens vivants quoi? Je pense pas. Hein. T'as envie toi? Tiens, je vais finir au. S'il y a des gens en vie, je vais finir au fusil. Pas hésiter. T'as pas envie toi? T'as pas envie. Ah, c'est une caméra. Ok. C'était technique. Ah ouais? Okay. Exprime-moi. Ok. Yes. Ah, trop fort je l'ai. C'est la merde ce que je veux faire. Ouais. Ouvrir la porte, sur la porte, c'est une grenade lune. Ça soit le mieux, parce que en vrai, il date un peu ce fusil en fait. Ok. Ce fusil. Ça fait un peu du bien de faire un peu d'anéantissement quand même. C'est juste.
feu. Ça peut être utile et puis bon. J'ai fait le principal en. Et c'est tout bon, on se tire. On se tire définitivement. Et pouf, plus de labo. Exactement ce qui était demandé. Évidemment, je sais bien que les paillettes vont pas disparaître comme ça. Mais bon, au moins, on a porté un grand coup aux connards qui fabriquent cette merde. Ah, une dernière chose. Aratit est reconnaissante. Elle m'a dit de te remercier. Alors, merci. Et à la prochaine. Si à la prochaine, là. Vous avez fait toutes tes missions, ma grande. J'ai dû faire toutes tes missions. Ça, c'est très cool. Très cool. S'il y a des trucs. Ça pour toi, V. Grâce à toi, Watson est un endroit plus sûr. Si je peux te donner un conseil, fais un break. Quitte la ville pour quelque temps. Les burn-out, ça arrive même au meilleur. Et un peu de repos te ferait le plus grand bien. Je le pense vraiment. Un petit cadeau t'attend dans ta cache pour te mettre sur la bonne voie. À la prochaine, V. Je sais plus ce qu'est. Je sais plus ce qu'elle m'offre. Ouais. Et moi. Tu auras une récompense. Je vais chercher la récompense. C'est normal. Ah oui, mais faut que je retourne chez moi. C'est pas grave, c'est pas le. Contraire. C'est vrai qu'avec Constitution, je pense que je peux voler des voitures pour une fois. Plein de voitures que je peux forcer pour l'instant. Je peux rouler. Toujours plaisir de voir l'athlétisme qui monte. Tellement galéré à une époque. Je me disais comment monter tout ça. C'est je l'ai mis au final. J'ai pas prévu son, ça a eu marché. Ah. C'est la vie. Ok. C'est l'heure des infos locales. La violence continue de ronger les Badlands. Des fusillades ont éclaté sur la 1, la 166 et la 101. D'après les témoins, il s'agirait de règlements de compte entre clans. Les attaques sur les personnes extérieures ont dépassé la moyenne habituelle. De slotissime. Qu'est-ce que Regina m'a donné? Je m'en rappelle. Sûrement une armée de. Bon, je vais. C'est dans la planque ou à côté? Non, c'est dans la planque. Ah ouais! Ah non, c'est augmente les chances d'activation de 5% et les degrés d'activation de 10%. Ok. Ok, c'est un nanofibre. Ok, ouais, c'est classe. C'est un peu classe. D'accord, je pensais que c'était une simple arme, mais non, c'est. C'est un implant légendaire. Et bah, pourquoi pas, c'est une bonne idée. J'ai une bonne nouvelle pour Dex. J'ai plus rien à faire à Watson pour l'instant, enfin, dans les trucs qui m'intéressent. Donc, on va vraiment aller voir. Jackson. Dex.
Et c'est parti. C'est parti pour aller voir Dex. Ouais, la mission principale qui va enfin être faite. Après des mois à le faire attendre. Mais par souci de précaution, le NCPD est passé en alerte de niveau 2 et conseille aux voyageurs d'éviter le plus possible les routes secondaires. Bien sûr, nous vous tiendrons informés de la suite des événements. Si elle me tient informé de la suite des événements. Un peu loin. Bon, c'est pas si loin que ça. Allez, tant qu'on va faire Dex juste avant, je vais juste passer au toilette et je dis à tout de suite. Ah, Miss V, enchantée. Dexter de Shawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Et quoi si maigri? Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Madame Tout-le-Monde et jouir à un âge vénérable, ou bien mourir en héroïne sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? L'école. Je ne pose pas cette question. Un test? C'est juste un petit sujet de réflexion. Comme une devinette? Non, tu as pas lieu d'être. C'est de l'ontologie. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Minute. Moi aussi j'ai une question à vous poser. Pourquoi tout ça? Pourquoi moi? Vous auriez pu demander à Jackie ou T-Bug de venir à ma place. Ou alors vous auriez pu m'appeler. Tu vas me trouver vieux jeu. Mais j'aime bien voir avec qui je fais affaire. Tu le dis. J'ai déjà eu le plaisir de rencontrer l'ami Jack par le passé. Et la douce T-Bug m'a rendu service il y a 2 ans, ce qui m'a amené à te contacter. En plus de ça, j'ai une petite mission préliminaire rien que pour toi, mais je vais y revenir. Ok. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech, une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout.
Elle appartient à une corpo, j'imagine. Évidemment. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Tout. Surtout vu mon niveau. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet dédié. Sûrement. Vous y avez réfléchi ? Vous avez un plan ? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler sa fissa. Et ? Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. Ok. Cliente ? La cliente, qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi ce rendez-vous ? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et ? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. D'accord. Je ne serai pas sur place. T-Bug, ne fais pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Okay. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom ? Vous êtes en froid ? Insère l'éclat. Dites pas insérer les éclats de... des gens, des inconnus. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est embêtant. C'est Royce qui commande maintenant. Je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. Ce Royce, c'est quel genre de type ? Un amoureux du chrome, totalement psychopathe. Il y en a beaucoup dans cette ville. C'est pas faux, mais peu d'entre eux balanceraient comme ça un ami et associé dans un séchoir à micro-ondes industriel, quelle que soit la raison. Apparemment, c'est les yeux qui explosent en premier, ils éclatent comme des ballons. Après, tout le reste se transforme en bouillie. C'est qui, la diva ? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. Et ? Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique, je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidzies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Miss V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire ? À plus. Par rapport. Tu peux avoir les deux. Il y en a qui ont eu les deux. Qui ont eu une vie spectaculaire et. Enfin, une mort. Non, une mort spectaculaire, tu peux l'avoir. Mais bref. Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Ce type sait comment protéger ses affaires, y'a pas à dire. Il veut nous confier des petits coups, un genre de travail préparatoire, avant de nous mettre sur du lourd. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté, mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick, un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais...
Je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Par contre, j'aime bien Meredith. Eh ben dis-moi, t'as pas l'air super joyeuse. Tu sais quoi sur Royce? Lui, c'est un matraqué de chez matraqué. Les junkies sniffent de la coke, lui, il sniffe du chrome. Et y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui m'a mis le job sur la table, Evelyn Parker. Toi? Le Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par rollo? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Toi. Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Orale. Je vais faire un tour à l'usine Old Foods, alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego. Très mal, Edith. Oh. Porte de flamme. Qui? Et le vent souvient fort au sommet du monde. Les vieux de la vieille comme moi détestent que les genoux prennent froid. J'ai laissé quelques fripes dans la cage de ton appart. Et c'est les... Elle devrait étaler comme un gant. Aussi, il est super sympa, lui. Car je t'adore, lui. Faut remercier les gens juste comme ça. Ça me fait plaisir. Elle prenait la poussière au fond de mon placard. Alors autant qu'elle profite à quelqu'un, j'en tirerai presque rien et j'ai pas envie de les jeter. Bref, j'espère que t'en auras l'usage, comme on dit, le style fait tout. Enfin, je sais pas si ça se dit encore. Tiens, t'es génial. Alors, Meredith. Ici Stout. Commencez par me dire où vous avez eu ce numéro. J'ai pas eu que votre numéro. J'ai aussi appris que vous aviez égaré un convoi. Toi, fais-le taire. Crache ce que tu sais. J'ai pas que ça à faire. Pas au téléphone. On va faire un marché face à face. Un marché? D'accord. Première sortie sur la Skyline, en direction du DIN. Le déversoir d'orage sous le pont routier. Je te retrouve là-bas. Je voulais juste te rappeler que des édits ont échangé de main entre moi et mes estimés associés du Maelstrom. La coquette somme de 10 000 euros de l'art, pour être précise. Alors je te laisse pas... Alors te laisse pas faire s'ils essaient de t'en soutirer d'autres. Et on sait tous les deux qu'ils vont essayer. C'est le Maelstrom après tout. Ok, ok. Ouais, c'est déjà pas mal. Hein. Par contre, je... C'est ça que je veux faire. Allez où? Allez là. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Je devrais limite... Attends, tu sais quoi? Est-ce que je connais l'embrouille? Rejoindre Jackie, tu vois, on est déjà sur rejoindre Jackie, alors que je veux pas rejoindre Jackie. Hop. Comme ça, je vais suivre le blanc et pas le jaune. Comme ça, si ça repasse à suivre, à rejoindre Jackie, j'en ai un monde foutre. Je serai en mode. Ça me va. Tardisme, ça aurait peut-être l'air d'être une petite pause. Carrément. Je vais parler à Meredith et après ça sera bon pour ce soir. Ah oui, parce qu'en fait je passe comme ça. Ok, ok, ok. Bon, elle est un peu plus bas. Okay. J'ai un super psycho ici, je crois. Ce sera pour plus tard. Non! Ça me fait penser que j'ai plus rien à ce niveau-là. Tant que ma vie reprenne.
des couleurs et après on va sauvegarder. Le saut était vraiment très juste. Tenez-vous prêt. Comment tu vas ? Stout, c'est toi qui m'as appelé, je suppose ? Ouais, c'est bien moi. Ah oui. Tu croyais pouvoir me faire chanter, connasse ? Fixez tes conditions ! Depuis quoi encore ? Calmez-vous, putain ! Je veux juste parler ! Bon sang, Meredith ! Toi, tu la fermes ! Ça vient cette putain de machine ! Tout est prêt. Maintenant, tu vas répondre à mes questions honnêtement, sans détour. Est-ce que t'es venu seul ? Oui. Ouais. Y'a que moi. Elle dit vrai. Vérifiez les environs. Bon. Planqué là. Maintenant, pardon. Écoute bien. Cette petite merde d'Anthony Gilchrist, c'est lui ton contact ? C'est lui qui a balancé des infos sur le convoi ? Ce type ? Première fois que je le vois. C'est vrai. Écoutez, le convoi, je sais où il est. Je peux vous aider. En échange, je demande juste un service. Je vous l'avais dit, bordel ! Je vous l'avais dit, c'est pas moi la taupe, putain ! Si, tu penses que c'est toi, je m'en rappelle plus. Oh, lâchez-moi avant que je... Ça, cette question n'a pas grand intérêt. Elle relâchez-la. Je veux savoir ce qu'elle a à dire. On n'aurait pas pu se la jouer cool dès le début. Ferme ta gueule. Dis-moi ce que tu veux. J'ai besoin d'un robot, un modèle Flathead. Les gars qui vous ont volé, c'est eux qui l'ont. Promettez de me laisser le robot, et je vous dirai où ils sont. Tu as un plan les concernant ? Je pourrais leur prendre par la force, mais ils attendent un paiement, alors je pourrais m'arranger avec eux. Bien, partons sur la deuxième solution. Mais à une condition, tu paieras avec notre argent. Ça veut dire qu'il est traçable. Vous avez l'air sérieuse. Ça marche. Paye avec cette puce. Pour le reste, t'en fais pas. Si tu essaies de m'entuber, on se reverra. Très vite. C'est que la puce est... De toute façon... Je peux pas faire à votre place. Cette salope est déjà morte. Elle va vous entraîner dans la chute. T'inquiète. Jackie. Oh, tu vois. Est-ce que je prends la voiture ? Non. Est-ce que je rejoins Jackie tout de suite ? Ah. Donc là, ça va être évidemment. De toute façon, ouais. En plus, je vais faire une pause. Je vais me rapprocher pour être près du truc quand j'arrive, et puis voilà. Allez, bim, on se retrouve 19-20h et puis voilà, tac, hop, fin d'après-midi.